Mes chers amis, je suis très, très, très ravi de vous exprimer mon expérience à San Juan, Puerto Rico. C'est une expérience que j'ai beaucoup plu. J'ai eu l'opportunité de connaître beaucoup de personnes, d'apprendre la culture de cette belle territoire non incorporé. C'est un territoire non incorporé des États-Unis. Donc c'est très particulier. La langue c'est l'espagnol et la culture est très unique. C'est pour cela que l'archevêque Robert m'a dit lors de notre interview que le territoire Puerto Rico, c'est un territoire très unique avec une culture spécifique. Et il a beaucoup insisté sur ça, sur cette identité. Il faut maintenir notre identité de culture. L'identité d'être ensemble, de communauté, de famille, de valeurs, d'amour à Dieu et c'est cette religiosité d'être ensemble. C'est ça que l'archevêque m'a dit à Puerto Rico. C'était une très belle expérience. J'étais là le 27 juillet au 2 août. J'ai eu l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses de cette culture. Les Puerto Ricains sont des personnes très joyeuses. Ils sont très joyeux. Ils sont comme les Africains, quoi. Donc, être à Puerto Rico, c'était comme être dans mon village au Cameroun. Ils ont cette similarité de culture, d'être ensemble, de célébrer la vie. Non pas seulement vivre, mais célébrer la vie, c'est très important pour les Puerto Ricains. Alors, c'était une très belle expérience. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement l'archevêque Robert, l'archevêque métropolitain de San Juan, l'archidiocèse de San Juan, pour sa disponibilité de me rencontrer. Et lorsque mon séjour, j'ai eu l'opportunité de parler avec lui, d'avoir une interview avec lui qui m'a beaucoup aidé à comprendre l'histoire de Puerto Rico. Je remercie très sincèrement le père, docteur, professeur Alfonso Guzman qui m'a beaucoup orienté lors de mon séjour à Puerto Rico. Très spécialement parce qu'il parle le français, donc nous avons eu l'opportunité de parler en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Donc il est très formidable. C'est le premier polyglotte puertoricain que j'ai rencontré dans ma vie. Donc je voulais le remercier pour son temps qu'il m'a donné, qu'il m'a accordé pour avoir facilité mon séjour et pour m'avoir exposé à beaucoup de personnes. Le dimanche passé, il m'a porté dans un paroisse où j'ai eu l'opportunité de connaître un Nigérien et d'autres personnes. Donc, c'était très belle. Merci beaucoup, professeur Alphonse Goodman. Je suis très reconnaissant pour pour votre temps donné. Et finalement, je remercie la professeure. Elle s'appelle Doris Diaz. Elle est chargée de l'archive historique de l'archidiocèse de Puerto Rico de San Juan. Donc elle m'a donné l'opportunité, elle m'a beaucoup fourni. Il y avait des livres sur l'histoire. Elle m'a aussi. J'ai eu l'opportunité d'avoir une heure avec elle où elle m'a beaucoup partagé son expérience comme investigateur, comme chercheur et también comme professeur de l'histoire de Puerto Rico. Merci beaucoup, professeur.
professeur Doris Diaz. Et à toutes les autres personnes que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, je vous remercie pour votre chaleur, pour votre chaleur. Vous avez besoin d'une chaleur unique comme les Africains, pour votre amitié et surtout pour votre esprit de communauté. Merci beaucoup et j'espère retourner si Dieu veut. Vous savez qu'avant de quitter de Puerto Rico, je me suis dit que je suis portoricain. Je me suis identifié avec, avec les cultures. J'essaie de vivre avec eux, de manger ce qu'ils mangent, de les écouter, d'intégrer à la culture. C'est ça qui me plaît beaucoup, intégrer à la culture. Donc je vous remercie très, très sincèrement. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes amis de Puerto Rico. Nous sommes toujours ensemble. Merci beaucoup.